L'hiver a fait son grand retour en ce mois de décembre à Vichy. Le golf du Sporting Club a vu son nombre de visiteurs baisser drastiquement. L'association doit s'adapter au climat pour entretenir ses 31 hectares de parcours. Une tâche compliquée et qui n'est pas de tout repos. Bien, l'hiver, l'activité est moins grande, les compétitions s'arrêtent fin novembre, ne reprendront que début avril. Donc l'entretien de l'hiver, c'est les arbres, les feuilles, les mauvaises herbes. Pour effectuer ces longues missions, le golf peut compter sur une équipe de plusieurs jardiniers. Cinq jardiniers et un greenkeeper qui est le chef des jardiniers. Hein, et qui lui connaît tous les produits, tous les traitements qu'il faut faire, c'est le patron du terrain, quoi. Voilà. L'association ne touche pas d'aide de l'agglomération pour l'entretien du golf. Les collectivités locales sont donc un soutien de taille, mais seulement lors des compétitions. On n'a aucune aide, on n'a que des subventions pour les compétitions. Il y a Vichy Communauté, la ville de Vichy, la ville de Bellerive, bien sûr. L'entretien du golf est une étape obligatoire pour que la prochaine saison puisse se dérouler dans les meilleures conditions.